tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Donc c'est la partie 2 de l'unboxing de chez DIY Shoes. Donc ça va concerner le point de croix. Alors j'ai combien d'objets? Alors j'ai bien entendu une toile. J'ai un petit objet, un autre objet, voilà, j'en ai quatre, je crois qu'il m'en manque un, mais je suis pas sûre, il faudra que je vérifie. Alors, je comprends pas pourquoi ça a coupé, il y a eu une notification et bing, voilà. J'ai pris des bobinettes, parce que les bobinettes, bah écoutez, pour moi c'est presque obligatoire, quand je fais la préparation d'une toile, quand je la fais. J'ai pris, donc, dedans, il y en a, c'est pas marqué, il doit y en avoir 110, 100 ou 120, je ne sais plus, je vous marquerai. Et maintenant, je prends des bobinettes blanches, parce que je trouve que les couleurs sont bien mises en valeur dessus. Et ici, là, on peut mettre la référence, le numéro, hein, 1, 2, 3, voilà. Et écoutez, c'est génial. Et j'en ai toujours d'avance. Voilà. Donc ça, c'est pour moi pratiquement obligatoire. Ensuite, ben, j'ai repris de ça. Voilà. Je m'en suis encore jamais servi. Hein. J'en ai eu dans un autre site. Que vous avez vu dans mes avancées, c'est du silicone. Et en fait, c'est pour quand vous roulez la toile, hop, vous coincez le rouleau, là, comme ça, et hop, ça tient tout seul. Aussi bien les grandes toiles que les petites, suivant comment vous roulez en épaisseur ou pas. Et donc, bah, c'est très bien. Donc là, j'en ai 3 bleus, 3 vertes, 2 abricots et 2 fuchsia. Voilà. Donc, c'est super bien. Il y a 10 pièces en tout. Ensuite, un objet, alors, celui-là, j'adore. J'en ai un turquoise. Et là, il y était en rose. Parce qu'il y en a où c'est marqué rose, mais le rose, il est indisponible. Et là, je l'ai trouvé, un beau rose. C'est pas un rose fuchsia, c'est un rose un peu violet. Donc, vous avez ici, pour les enfil-aiguilles, pour les tout petits, c'est-à-dire genre la broderie perlée, ça marche très bien. Ensuite, vous avez pour il est tordu, mais c'est pas grave, les petits CT. Alors, peut-être le 18, le 16, le 14, voilà. Et là, vous avez pour le 11 CT, le 9 CT. Voilà, c'est très bien. Et ici, donc c'est une petite patoune. Et ici, vous pouvez couper votre fil, j'ai pas de fil sous les yeux, je vous avais déjà montré, donc voilà, et ça, c'est trop top. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce kit-là, sauf peut-être les ciseaux, mais les ciseaux, hein, j'en manque pas, parce que j'en demande souvent dans les partenaires. Voilà, et donc, maintenant, nous avons la toile. Alors, je la sors, je vous retrouve. Et voilà, donc je vous retrouve. Alors il y a la petite notice de A jusqu'à Z pour faire votre point de croix. Voilà, jusqu'au moment de le laver, repasser. C'est en anglais, mais bon, on comprend. Vous avez le petit toolkit. Alors j'ai deux petits chiots, c'est Rox et Rookie, peut-être, je ne sais pas. J'ai deux petits chiens, on ne les voit pas bien. Alors, j'ai dedans le petit anneau qui ne sert pas à grand-chose. le petit pompon avec 5 aiguilles et l'enfil-aiguille. Donc, ça, c'est important aussi. J'ai les fils qu'on va voir après. Et j'ai la toile qui est toute surpiquée. Ah, j'ai le patron d'abord, pardon. J'ai le patron. Alors, le patron, il est en papier glacé qui ne me fait pas frissonner, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est du papier glacé. Il y a 40 couleurs, c'est une 147 points par 190 et c'est une 40 par 50. Et j'ai pris ça, bah, ma foi, parce que j'aime bien les jeunes filles. D'ailleurs, on voit son visage ici, voilà.
Et donc, alors donc, a priori, il n'y a pas de confetti. C'est des suivis de points, en fait. Ce n'est pas vraiment des confettis. Voilà. Donc, ça, c'est c'est bien. Et donc, voilà la toile. Alors, la toile, par contre, je vais la mesurer pour vous dire exactement. Elle fait 30, 34, donc certainement par 44. Voilà. Je vais quand même contrôler parce que je me fais le doute toute seule et ça m'énerve. Donc, voilà 30. Voilà 40. 45, pardon, mea culpa. C'est 45. Voilà, donc. Alors. Au niveau des caractères, ça va parce qu'ils ne sont pas en pastel. Parce que quand c'est en pastel, bonjour l'angoisse, quoi. Bonjour l'angoisse. Peut-être commencer par cette partie-là, vous voyez, il y a beaucoup de blocs. Il y a le 3. Le 3, je regarderai ce que c'est comme couleur. Voilà. Oui, il y a un peu des blocs et tout, c'est sympa. Et donc, oui, mais c'est du foncé, je crois. Et je vais vous montrer. Donc, alors, excusez-moi, je vous montre la photo ici. Voilà, c'est celle-là. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, elle me plaît. Alors, attendez, hein, je cherche pour ouvrir. Alors, je mets en pause. Voilà. Alors, c'est léger, ma foi. C'est léger. C'est des couleurs qui sont avec la photo, bien sûr, qui vont très très bien. Donc, il y a 40 couleurs. Donc, ça, c'est les 4 dernières couleurs. Un vert sapin, des petites couleurs un petit peu melon, melon pastel, des petites couleurs rosées. Et ici, donc, nous avons les premières couleurs. Hop, je le mets, je fais passer mon bras, mais je le fais mal passer. Voilà, c'est coincé. Voilà, regardez. Alors là, il y a du noir. Il y a du noir. Alors, c'est bien du 310. 310. C'est le numéro 3 en plus, je vous l'avais dit, c'est le violet, c'est une couleur foncée. Donc je ne sais pas si je vais commencer par là. Voilà, il y a beaucoup de rouge, de rose, un peu orangé. Et de l'autre côté, hop, voilà, vous avez ces jolies couleurs. Il y a un beau vert, un autre vert, un bleu canard, deux couleurs aubergine, du brique, des beiges. Voilà, mais c'est très joli. Et bien évidemment, c'est en rapport avec la toile, forcément, forcément. Voilà, donc je vais la rembobiner d'abord comme ça, parce qu'après je ne les rembobine plus comme ça quand je commence à travailler, parce que c'est embêtant à débobiner. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, donc, eh bien écoutez, eh bien, c'est tout. Alors du coup, je vous ai tout présenté. Donc, c'est la compagnie sans nom, comme on dit, je crois. Hein. Je ne sais pas, moi, ça. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais c'est surfilé. Voilà. C'est du 11CT. J'ai oublié de le dire aussi. J'ai dit que les caractères étaient super bien. Là, il y a un petit peu de brouillon, mais pour le reste, ma foi, ça va. Voilà. Donc, la toile, elle est raide, mais sans l'être trop. Vous voyez, elle va vite s'assouplir. Et moi, j'adore les toiles qui sont souples. Voilà. Donc, ça. C'est mon point de croix avec le toolkit, je vous l'ai dit, hein. Mes petites bobinettes pour commencer. Mes petites, si j'ai besoin d'enrouler la toile, je prendrai ça en silicone et ma petite patoune en fil aiguille, coupe-fil. Alors ça, c'est trop, trop, trop bien. Voilà, ben, écoutez, je vous ai tout présenté la seconde partie. Du site DIY Shoes, un site que j'ai toujours aimé, vous le savez. J'ai beaucoup de choses de DIY Shoes et je l'ai fait. C'est peut-être le seul site où j'ai fait beaucoup de choses. Fanzels aussi, où j'ai fait beaucoup de choses d'eux que j'ai reçues en partenariat. Voilà, ben, je les remercie hein, parce que franchement, ils me font confiance. Il y a comment dire, je ne sais pas moi, je n'ai. En fait, il faudrait que je demande au partenaire, il y a du retour derrière, puisque j'ai un code de réduction pour vous. Regardez tout en barre d'infos, c'est tout marqué.
Et j'aimerais bien avoir des retours. Mais s'ils m'ont augmenté autant le budget, c'est certainement parce qu'il y a du retour derrière. Mais écoutez, moi, j'adore tous ces produits. J'adore tous ces produits. Et je voulais vous dire aussi, voilà, vous avez vu par terre, derrière, c'est ma toile des quatre gorgeous, la mer, la terre, l'eau, le feu. Ça fait 3 ou 4 jours qu'elle est comme ça. Et j'ai regardé un petit peu, elle est extrêmement plate et bien revenue, bien jolie. Voilà, il reste plus qu'à la commencer. Comme d'hab, puis ça aussi, il reste plus qu'à le commencer. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.